Bonjour inspecteur, qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui? Une femme, la quarantaine, morte par strangulation. Très bien, je vais vous observer, commencer à récolter les indices. Ça, c'est un indice. Bien joué, inspecteur. Je vais emmener ça au laboratoire. On va procéder aux recherches habituelles, les traces d'ADN, la totale. Ouais, alors juste pour les traces ADN, là, tu vas trouver des ADN, tout ça. Il y en a juste un, faudra pas faire gaffe. Là, c'est parce que moi, je suis arrivé en avance, en fait, et j'étais là, et je me suis dit, pas pris. Du coup, c'est pour... Mais tu sais, je... Vous inquiétez pas, inspecteur. Ouais. On va faire comme d'habitude. Ouais. Les petits gars du laboratoire ont isolé votre ADN de toute manière. Ok, super. Et la prochaine fois, n'oubliez pas le vouvoiement. Bon, inspecteur, on a récupéré le flyer, ça vient de No Life. Donc on va fouiller partout ici pour trouver des indices. Ok, on se sépare. Une avant-première sur Shadows of the Damned. Critique Elle est noire. Minutes, pas plus, pour parler de Fast Racing League. Critique Flash, No More Heroes Paradise. Showtime. Regarde cette boîte, elle est complètement pétée. Ouais. Je pense qu'on l'a utilisée pour stranguler quelqu'un avec. C'est ça notre indice. C'est quoi cette musique de merde? C'est la musique qui t'indique que t'as trouvé tous les indices. Ah ouais? Et ça c'est quoi? Mais tout de suite... Les news? I have lived my life to the best of my ability. On commence ces news avec l'annonce d'un nouvel Assassin's Creed. Intitulé Révélation, cet épisode sera la suite directe de Brotherhood et n'aura rien d'un Assassin's Creed 3. On contrôlera toujours Ezio, cette fois-ci beaucoup plus âgé, dans un périple le conduisant à Constantinople sur les traces de son ancêtre Altaïr, héros du premier épisode, également jouable dans cette suite. Des bruits de couloirs font également mention de la possibilité de créer soi-même ses propres bombes artisanales. Si vous voulez plus d'informations, il faudra attendre le 7 juin, date de sortie du trailer. Ils sont rigolos chez Ubisoft, ils diffusent un teaser annonçant la date de sortie d'un trailer, annonçant lui-même l'arrivée d'un autre trailer. On enchaîne avec du très lourd, le premier trailer de gameplay de Modern Warfare 3. Toujours chapeauté par Infinity Ward, toutefois délesté de ses têtes pensantes parties chez Electronic Arts, le prochain FPS phare d'Activision risque de faire très très mal. L'action reprend juste après la fin de Modern Warfare 2, dans un monde en pleine Troisième Guerre mondiale. Les États-Unis sont assiégés par les Russes, Paris est sous les bombes, bref, ça va péter. Le duel Call of Duty Battlefield va très probablement être l'un des plus gros événements de cette fin d'année, et à l'heure actuelle, il est bien difficile de faire des pronostics. Même si Battlefield 3 a pour lui une fraîcheur qui pourrait manquer à Call of.
doesn't take the most powerful nations on Earth to create the next global conflict. Just the will of a single man. Call of Duty Modern Warfare 3. Et pour accompagner le lancement de son prochain jeu phare, Activision vient d'annoncer l'arrivée de Call of Duty Elite. Ce site permettra aux joueurs de rester constamment connectés à leurs jeux favoris, de manière à pouvoir checker leurs stats, participer à des événements spéciaux et consulter des guides vidéo pour s'améliorer. La majorité des fonctionnalités seront gratuites. Une formule payante, nommée Premium, sera également disponible, permettant notamment d'accéder à tous les DLC gratuitement. Call of Duty Elite est prévu pour la sortie de Modern Warfare 3. On poursuit notre petit tour des prochains FPS militaires avec les bonus de précommande de Battlefield 3. Les joueurs réservant leur version du prochain titre de DICE auront droit à un pack contenant 3 cartes issues des précédents épisodes, intitulé Back to Kharkand. Espérons que ce contenu gratuit ne s'accompagne pas d'un pass online, comme le fait souvent EA actuellement. Les joueurs de Dead Space 2 ou encore du dernier Tiger Woods en ont fait les frais. Quoi qu'il en soit, Battlefield 3 sort en novembre, soit à peu près au même moment que Modern Warfare 3. Nous vous avions déjà parlé de l'aspect multijoueur de Fear 3 dans un précédent classé 18+, s'annonçant beaucoup plus original que la campagne solo. Depuis, quelques modes ont été davantage explicités. Dans Roi des âmes, les joueurs joueront chacun de leur côté, le vainqueur étant celui qui aura ramassé le plus d'âmes. Il faudra pour cela prendre constamment possession de vos ennemis, ayant tous des aptitudes et des armes différentes. Vous possédez les. Ce n'est pas until enemies flood the level that you can finally kill and collect the souls they drop. Le mode contraction exploitera plutôt votre fibre coopérative. Avec 3 autres joueurs, vous devrez repousser des vagues d'ennemis apparaissant à chaque nouvelle contraction d'Alma. Oui, sorti de son contexte, c'est assez bizarre. Enfin, Âme Rescapée mélangera les dimensions coopératives et compétitives. Au début, 4 joueurs doivent survivre aux vagues d'ennemis, comme dans le mode contraction. Sauf que durant la partie, Alma pourra corrompre les joueurs, les faisant ainsi changer de camp. Fear 3 sortira le 24 juin prochain. Ce choix de date pourrait s'avérer décisif, les grandes vacances n'étant pas la période phare des sorties de jeu. Soul Survivor is your chance to see if you can survive as the hero or succeed as the villain. Continuons dans la finesse avec ce nouveau trailer de Gears of War 3, nous dévoilant le mode histoire du prochain titre d'Epic Games sur fond de Black Sabbath. C'est un peu surprenant au début, mais ça fait plutôt bon ménage au final. Dans sa nouvelle aventure, Marcus Fenix devra retrouver son père, pas aussi mort qu'il le croyait, mais également se battre contre 2 armées. Une 3e faction, les Lambents, des créatures soumises à d'énormes doses d'émulsion, fera son apparition dans le conflit opposant humains et locustes. Et bien évidemment, nous aurons droit à notre dose habituelle d'énormes monstres, de testostérone, de tronçonneuses et d'amitié virile. Gears of War 3 est toujours prévu pour le 20 septembre, vous pouvez d'ores et déjà retrouver nos impressions sur son mode multijoueur dans notre avant-première disponible sur No Life Online. Let's finish it.
des jeux comme ça qui sortent de nulle part et qui révolutionnent un genre. Left 4 Dead en fait partie. Sorti fin 2008, il fut le premier shooter axant entièrement son gameplay autour de la coopération. Il était tout simplement impossible de finir un niveau avec ses seules capacités, comme dans d'autres jeux dits coop. Après une suite arrivée un an plus tard, Turtle Rock Studios, les créateurs de la série, n'ont plus donné signe de vie. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, THQ vient tout juste d'annoncer avoir signé le prochain projet du développeur. On sait déjà que ce sera un FPS multijoueur, qualifié par ses créateurs de révolutionnaire, bah, comme tout nouveau projet quoi. Pour en savoir plus, il faudra être patient. Le studio ne sera pas présent à l'E3, et la sortie de ce projet n'est pas prévue avant 2013. Utiliser des musiques n'ayant pas grand-chose à voir avec le jeu pour créer un trailer semble être à la mode en ce moment. On l'a bien vu il y a quelques minutes grâce à la bande-annonce de Gears of War 3, qui utilisait War Pigs, mais là, Bethesda a dépassé toutes les limites avec le trailer de lancement de Hunted the Demon's Forge. Sérieusement, un remix très bourrin du Happy Together des Turtles, célèbre groupe des années 60, pour coller un univers de heroic fantasy, mais où va-t-on ? Heureusement pour eux, cette association fonctionne étrangement bien. D'accord, ça ne respecte pas vraiment les codes de l'univers, mais nous passerons l'éponge cette fois-ci car le nouveau jeu de Brian Fargo s'annonce excellent. Hunted the Demon's Forge vient tout juste de sortir et vous pourrez retrouver notre critique dans 15 jours dans Classé 18+. Like you've gotten under somebody's skin. Me? Everybody loves me. Just keep telling yourself that, girl. I can't see me loving nobody but you through my night. When you're with me, baby, the skies are blue. You know, I rather enjoyed that. We do make quite the pair. Les joueurs ayant précommandé Mortal Kombat ont eu droit à quelques bonus lors de sa sortie. Des costumes pour 7 personnages et des fatalities datant des anciens épisodes pour 3 combattants, dont Scorpion et Sub-Zero. Si ce contenu vous intéresse, mais que vous avez raté les offres proposées en magasin, ne vous inquiétez pas. Warner a pensé à vous, et surtout à votre portefeuille, en mettant tout ce beau contenu à votre disposition sur le Xbox Live et le PSN, pour respectivement 400 points Microsoft et 4€. Ah, vous pensiez que ce serait gratuit ? Bah depuis le temps, vous devriez pourtant être habitué à payer le moindre petit costume. Notez également que la première vidéo de Scarlett, une nouvelle combattante, vient d'être diffusée. Nous ne disposons pas de la date où la belle sera disponible, mais on nous promet de la voir en action lors du prochain E3. Non, ça suffit maintenant. Gears of War, ça allait, Hunted, c'était bizarre mais ça passait, mais là c'est trop, too much quoi. Combiner un TPS bas du front, Red Faction Armageddon en l'occurrence, et de la pop tout droit sortie des années 80, on peut difficilement aller plus loin dans le mauvais goût. C'est quoi la prochaine étape, René la taupe ? Toujours est-il que cette bande-annonce nous présente une fonctionnalité du titre, le Sketch Mode, un filtre graphique donnant l'impression que le jeu est entièrement crayonné en noir et blanc. L'absence de couleur est à la mode en ce moment. Par exemple, elle est noire nous permet de vivre toute l'aventure comme dans un vieux film. Mais pourquoi je continue à parler ? De toute manière, vous ne m'écoutez pas, vous êtes hypnotisé par la pop suédoise de ce trailer. Red Faction Armageddon sortira le 10 juin, et nous espérons que sa bande-son ne comportera pas ce morceau. Si jamais vous avez cette musique dans la tête, veuillez adresser vos réclamations à THQ.
Ce nouveau trailer de Resident Evil The Mercenaries 3D est assez classique et se contente de nous présenter les différents personnages. Mais on ne va pas s'en plaindre après ce qu'on a vécu il y a quelques instants. Le casting définitif se compose des héros de la saga, que l'on a déjà pu incarner dans d'autres épisodes, comme Chris et Claire Redfield, Jill Valentine, Rebecca Chambers et Hunk. On aura également la possibilité de contrôler Barry Burton, aperçu dans le premier épisode, Krauser, un boss extrêmement coriace de Resident Evil 4, et enfin Albert Wesker, méchant historique de la saga. Resident Evil The Mercenaries 3D sortira en France le 1er juillet. Un nouveau DLC 1, Dead Space 2, l'un des premiers gros jeux de cette année, vient tout juste d'accueillir un deuxième contenu téléchargeable après Severed. Intitulé Outbreak, ce DLC contient deux nouvelles cartes pour le mode multijoueur. C'est tout ? Eh oui, mais c'est gratuit. Dans ce cas-là, ne boudons pas notre plaisir, comme on dit chez nous, si c'est gratuit, c'est permis. On continue dans les DLC, cette fois-ci payant avec Elle est Noire. Rockstar a mis en vente l'ensemble des bonus de précommande sur les plateformes de téléchargement. Les deux affaires, une carte très grise et la cité sans voile, seront disponibles pour 320 pour Microsoft ou 4€ sur le PSN. Les costumes et armes supplémentaires seront quant à eux vendus à 160 points Microsoft, soit 2€. Rockstar a également annoncé la sortie de deux nouvelles affaires, The Galvanoplasty Nicholson, le 21 juin, et Join un Gogo, le 12 juillet. Ces contenus seront vendus à 320 points Microsoft ou 4€. Afin de nous faire économiser quelques deniers, vous pouvez toujours acquérir le Rockstar Pass vendu à 10€, soit 800 points Microsoft. Une fois activé, il vous autorise à télécharger l'ensemble des DLC annoncés, ce qui inclut les deux dernières affaires pas encore sorties. Visiblement, ce système est amené à se développer. Metro 2033 est un FPS post-apocalyptique sorti l'an dernier qui avait fait bonne impression grâce à une excellente immersion et un gameplay sympathique. Sa suite, Metro Last Light, sortira l'an prochain. Nous n'avons pas d'autres informations pour le moment, à part les habituelles promesses d'un meilleur contenu. En attendant le 3, nous pouvons patienter avec ce superbe teaser. Et heureusement pour nous, la bande-son est signée Portiched, pas Patrick Sébastien. Cette nouvelle bande-annonce du Seigneur des Anneaux, la Guerre du Nord, met l'accent sur Beleram, un grand aigle pouvant occasionnellement aider les héros une fois que vous l'aurez libéré des monstres l'ayant capturé. Lors des moments les plus critiques, vous pourrez l'appeler sur le champ de bataille. Il se chargera de déchiqueter vos opposants pour vous. Ces terres connaissent la paix depuis bien trop longtemps. Le prochain jeu vidéo adapté de l'œuvre de Tolkien n'a toujours pas de date précise, excepté un vague 2011. Nous en saurons certainement un peu plus lors de cette E3. Nous sommes le seul espoir du Nord, et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éliminer Agandor. Agandor va payer pour tout ce qu'il a fait. Voici un nouveau trailer des Deus Ex Human Revolution. On a beau ne pas apprendre grand-chose sur le prochain titre d'Eidos Montréal, une vidéo montrant quelques secondes de gameplay et de cinématiques exclusives fait toujours plaisir. À moins de 3 mois de la sortie du nouvel épisode de la série créée il y a plus de 10 ans par Warren Spector, la promotion s'intensifie, même si rien de bien neuf ne devrait être diffusé lors du prochain E3. Deus Ex Human Revolution sortira le 26 août prochain,
Si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce titre, vous pouvez regarder notre avant-première sur No Life Online. David speaks very highly of you. He says that when it comes to detective work, you are like a dog with a bone. Why is FEMA sending you after Seraph Industries? You got worse enemies than FEMA. Who are they? These men, they control global interests at a whim. You are a fool. You cannot stop them. Megan was on the brink of something historic. I love you. This ends now. You do know more than you've told me. Some people will be left behind. It's evolution. You've got to help me. No one will be left to tell the world what happened. Après un excellent trailer en live, il y a quelques mois, Prey 2 revient dans un non moins excellent trailer en images de synthèse. Mais s'il n'y a pas de gameplay à proprement parler, cette bande-annonce nous montre divers éléments présents dans la nouvelle production de Bethesda. Le héros, Killian Samuels, est un mélange entre Faith et John Marston. Ses capacités acrobatiques lui permettent d'exploiter l'ensemble du décor pour poursuivre ses cibles, et son statut de chasseur de primes l'amène à capturer vivant ses différents contrats grâce à une sphère d'énergie fort pratique. Quant au gunfight, il devrait s'inspirer de Killzone 2 pour le système de couverture et, si l'on en croit le trailer, de Red Dead Redemption pour la présence d'un ralenti permettant de désigner ses cibles pour ensuite toutes les abattre rapidement. Prey 2 est prévu pour 2012, espérons que nous verrons du gameplay à l'E3. Ah, et la musique ! Le mélange country gunfight rend plutôt bien, imposant une ambiance western de l'espace. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break. I'm gonna break. Gonna break my rusty cage and run. Kill you! Finally track me down, huh? Somebody shoot this motherfucker! And run. He's right behind me! Kill this son of a bitch! When the forest burned along the road, capture device initiated. No, no, wait! I paid double, triple. They're using you. When the storm is looking for their bones. And it's raining ice picks on your steel shore. Homing rockets enabled. I'm gonna break. I'm gonna break my. Gonna break my rusty cage. Target identified. Après
Après un premier trailer de gameplay assez couillu, le nouveau Saints Row revient en image avec un trailer basé sur des cinématiques. On n'en apprend pas beaucoup plus sur le nouveau titre de Volition, mais cette bande-annonce nous plonge à merveille dans l'ambiance du titre. Fusillade, prise de catch, boîte de nuit, boobs, nul doute que Saints Row The Third fera honneur à son prédécesseur, que ce soit en termes de fun procuré ou de contenu. La nouvelle production de THQ sort le 15 novembre. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the powder. Peel in, fuck that, the world's ours. A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. L'an dernier, à peu près à la même date, les équipes de Square Enix nous avaient concocté un magnifique trailer à base d'images de synthèse pour Deus Ex Human Revolution, dont nous nous souvenons encore aujourd'hui. Cette même équipe est aujourd'hui de retour avec le premier trailer du nouveau Tomb Raider. Du gameplay serait dévoilé au prochain E3 et selon nos sources, la nouvelle aventure de Lara Croft promet d'être phénoménale. En attendant de nouvelles vidéos et la sortie du titre, prévue pour l'automne 2012, nous vous laissons admirer ce magnifique trailer. In our darkest moments, when life flashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. When all seemed lost, I found a truth. And I knew what I must become. Thank you.
Voyez les mollo. C'est un témoin, pas un suspect. Donc toi, t'es le good cop, moi je suis le bad cop. Ok. C'est un newbie, on va le briser psychologiquement en deux. Félix Fischer. Petit flirt entre amis, cette version elle appartient à qui? Mais avant que tu répondes, tu veux une petite mignardise? On a myrtille, chocolat, peut-être t'as soif? On a de l'eau fine gazeuse qui... On revient. Bon, ça le fait pas. Hein. On va inverser les rôles. Okay. Donc, toi, t'es le bad cop, moi, je suis le good cop. Okay. On va le briser psychologiquement en trois. D'accord. Félix Fischer, je suis désolé, tout à l'heure, j'ai été un peu fort. Donc, on va recommencer, très simple, par les bases. Quelle est votre profession? Je suis vendeur de pommes. C'est tout à fond, hein. C'est genre bad cop, c'est bad cop. Il fallait que tu le tues, quoi. Franchement, il nous a rien dit. Rares sont les personnes capables de faire vendre un jeu uniquement grâce à leur nom. Suda Goichi fait partie de cette catégorie. Killer 7, No More Heroes, Flower Sun and Rain, etc. Son studio, Grasshopper Manufacture, est l'un des plus appréciés des gamers et ses productions sont adulées par les gamers amateurs de gameplay calibré et d'ambiance barrée. Mikami Shinji, créateur des Resident Evil, et Yamaoka Akira, compositeur des premiers Silent Hill, font également partie de cette catégorie de créateurs. Et quand plusieurs personnalités de ce type se réunissent, le résultat est souvent fascinant. Shadows of the Damned est le résultat de cette union. Édité par Electronic Arts, cette nouvelle licence vous met dans la peau d'un chasseur de démons parti sauver sa fiancée, enlevée par un démon à six yeux vraiment bizarre. Let her go. But can't you see the little peach is coming on to me? Plus que l'histoire, c'est véritablement l'ambiance de Shadows of the Damned qui fascine. Les musiques de Yamaoka, beaucoup plus rock que dans un Silent Hill, créent souvent un décalage avec l'action présente à l'écran, accentuant ce côté grotesque que n'aurait pas renié Killer 7 ou plus récemment Deadly Premonition. Il vous faudra notamment allumer des lampes en forme de chèvre ou encore enfoncer des fraises dans la gueule de bébés serrures pour avancer dans les niveaux. Mais cette folie plutôt bon enfant est constamment contrastée par l'horreur qui imprègne les décors, regorgeant de cadavres à moitié dévorés. L'autre point fort du jeu est son gameplay, absolument jouissif. Imaginez un Resident Evil 4 couplé à toutes les améliorations apportées au TPS depuis des années, comme la possibilité de se déplacer en visant et l'ergonomie améliorée. Voilà, vous avez Shadows of the Damned. Malgré ce classicisme totalement assumé, l'ensemble est excellent. Les gunfights sont très intenses, vos opposants sont nerveux et ne meurent qu'avec une balle dans la tête, quant au boss fight, il s'annonce dantesque. L'arsenal est assez classique, au début du jeu vous disposez ainsi d'un pistolet et d'un shotgun. La grosse originalité de ces armes, c'est le tir de lumière. Face à des ennemis corrompus par les ténèbres, il vous faudra tout d'abord les toucher avec ce tir avant de pouvoir les tuer. Ce tir est également utile pour de nombreuses énigmes. Par exemple, il vous faudra allumer divers chandeliers pour pouvoir traverser un niveau rempli de ténèbres, vous tuant si vous y êtes exposé trop longtemps. Le level design semble assez bon, même si on n'échappe pas à une certaine linéarité. Les énigmes et les arènes remplies de monstres qui se mettent sur votre chemin sont suffisamment bien conçues pour vous tenir en haleine. Mais les meilleurs passages restent indéniablement les apparitions de Paula, la petite amie du héros. Sur ce point, Grasshopper s'inspire clairement de la série Fear et de sa fillette Alma. C'est simple, dès que vous apercevez Paula, c'est mauvais signe. Un boss fight, une cinématique éprouvante, nul doute que cette sublime créature en petite tenue entrave vos nuits. Shadows of the Damned s'annonce donc comme l'un des titres majeurs de cet été. Et malgré quelques carences techniques, qui on espère seront corrigées d'ici sa sortie prévue pour le 23 juin, le prochain titre de Suda Goichi promet d'être une tuerie monumentale si la totalité de l'aventure s'avère au niveau des premières heures de jeu. Yes, help her! Because in the meantime, I'll be helping myself! Bon, nous revoilà à la case départ. Depuis combien de temps il est là, le corps? 3 jours. Mais comment ça se fait? Pourquoi personne ne l'a récupéré? Il y a besoin de l'enquête. D'accord, je vois.
C'est quoi ça? Je crois que j'ai résolu l'enquête. Shinen Multimédia n'en est pas à son premier jeu sur WiiWare. On leur doit ainsi l'excellent Art of Balance, dont nous avions parlé dans un précédent 3 minutes pas plus, ainsi que Jet Rocket, un jeu de plateforme correct sans plus. Mais il semblerait que le studio allemand ait un petit souci d'ego à gérer. Faire un jeu de plateforme sur Wii, c'est accepter de se confronter et d'être comparé au Super Mario Galaxy. Autant dire un acte kamikaze. Et voilà que leur dernière production, Fast Racing League, marche sur les plates-bandes de Extreme J, mais aussi de F-Zero et Wipeout, deux références absolues du jeu de course arcade futuriste. Alors soit le studio a quelque chose à se prouver, soit ils sont légèrement masochistes sur les bords. Ceci dit, l'actualité sur Wii n'est pas non plus folichonne, tandis que le WiiWare est tout simplement devenu une espèce de No Games Land absolu. Alors un minimum d'indulgence s'impose, enfin s'imposait, si le jeu était décevant, ce qui n'est pas le cas. Plutôt joli et reprenant visiblement le moteur graphique de Jet Rocket, Fast Racing League met en scène en 2112 des courses bien speed basées sur la technologie de l'antigravité. Exactement comme Wipeout donc. Sauf que les développeurs ont ajouté une dimension icaroudienne avec la possibilité de switcher entre deux couleurs, noir ou blanc, afin de pouvoir profiter des zones boost, saut ou inversion associées. Les zones inversion modifient ainsi la gravité pour littéralement coller les véhicules au plafond. Afin de changer de couleur, il convient de récupérer les bonus disséminés sur les circuits, sachant que ces derniers permettent également de lancer un petit nitro des familles, quand bon vous semble, d'une simple secousse de la Wiimote. Tous les modes de contrôle de la Wii sont d'ailleurs gérés. Volant, Wiimote seul, Wiimote plus Nunchuk et la manette classique. Très simple à prendre en main, Fast Racing League s'avère fluide et rapide, même si à 4 en écran splitté, le moteur commence à souffrir un peu. Ceci dit, ça reste tout à fait jouable et la possibilité de jouer à 2, 3 ou 4 sur un même écran est clairement l'un des points forts de ce titre. Alors finalement, Shinon Multimédia n'est ni masochiste ni kamikaze, mais simplement opportuniste. Premier jeu digne de ce nom sur le WiiWare depuis les sorties de Lead Line en mars dernier et Beat Trip Flux fin février, Fast Racing League est clairement une bonne surprise à conseiller, ne serait-ce que pour soutenir le courageux studio de développement allemand. N'oublions pas que l'éditeur français Zalag, qui s'était spécialisé sur le WiiWare avec le sympathique Gods vs Humans et les moins bons Racers Islands, a fermé ses portes il y a quelques semaines. J'ai une méga intuition. J'ai résolu l'enquête. Le coupable s'appelle Pierre Bandicoot. C'est un pilote de vaisseaux spatiaux, une star, qui s'est un petit peu pris la tête avec une scientifique, notre victime, qui a inventé l'antigravité. Résultat, il l'a invité à une partie de Petit Flirt entre amis à No Life. Il en a profité pour la tuer. Ensuite, il a déplacé le corps sur un concert de J-pop pour s'en débarrasser. Un concert de J-pop. T'imagines le pervers. À l'aise. Sorti il y a déjà 3 ans sur Wii, No More Heroes fit l'effet d'une bombe. Un jeu clairement destiné aux hardcore gamers sur une console plus connue pour ses jeux familiaux, comme les lapins crétins, ça ne courait pas les rues. Couronné d'un petit succès d'estime, la création de Suda Goichi s'est vu offrir une suite, Desperate Struggle, et un portage sur Xbox 360, sorti tous les deux l'an dernier. Aujourd'hui auréolé de succès, Grasshopper Manufacture compte bien capitaliser sur son désormais célèbre assassin otaku, Travis Touchdown, en sortant un nouveau portage de sa première aventure, cette fois-ci sur PS3. Portage qui semble logique avec l'arrivée du PlayStation Move, tentative non avouée de concurrencer Nintendo sur son terrain. Ouais. Et c'est tout naturellement que le gameplay de No More Heroes s'adapte au contrôleur en se jouant de la même manière que sur Wii. Un bouton pour loquer et parer, un autre pour frapper. La reconnaissance de mouvement est mise à profit pour exécuter les finish moves et choisir la position de son sabre. Bref, une jouabilité approuvée par de nombreux joueurs pour un plaisir de jeu toujours aussi grand. Sauf que les joueurs n'ont pas tous acquis le PlayStation Move. C'est pour cette raison que l'on peut également jouer avec une manette classique. Même s'il faut un certain temps d'adaptation, la disposition des boutons étant parfois étrange, l'ensemble se prend parfaitement en main. Les frappes hautes et basses étaient gérées par la hauteur de votre Wiimote, elles s'exécutent désormais via deux touches différentes, triangle et carré. Quant aux prises de catch et autres finishing, ils se résolvent via les sticks analogiques.
L'adaptation est donc parfaitement réussie du point de vue ergonomique. Et les joueurs ne disposant que d'une manette peuvent s'amuser, même s'il vaut mieux jouer au PS Move afin de bénéficier de l'expérience telle qu'elle fut pensée à l'origine. L'autre gros ajout de ce portage est en réalité un retrait, celui de la censure. Sur Wii, on avait à peine droit à quelques pixels noirs en guise de sang. Cet adoucissement est désormais révolu, bienvenue au torrent de sang, au démembrement et aux cinématiques originales, bien plus compréhensibles que leurs homologues édulcorés. Mis à part ces ajouts, l'aventure est la même que sur Wii. Les rares défauts du jeu, comme cet open world bien trop grand et vide, sont donc toujours présents. Ce qui n'empêche pas No More Heroes de se montrer toujours aussi jouissif et délirant. Traverser des niveaux bourrés d'ennemis pour finir systématiquement sur un boss fight dantesque procure toujours autant de fun. Les combats contre les boss sont clairement le gros point fort du jeu. Que ce soit contre un samouraï au sabre gigantesque, un cowboy crooner à ses heures perdues ou une écolière ninja, ces affrontements sont tout simplement cultes. En guise de bonus, vous pouvez également affronter 5 boss de No More Heroes 2 en vous endormant sur vos toilettes. Oui, No More Heroes fait dans le grand n'importe quoi, mais c'est pour ça qu'on l'aime. L'histoire en est la preuve. Travis Touchdown, otaku de la pire espèce, cherche comment se faire de l'argent facilement. Tout naturellement, il décide de devenir assassin professionnel en commandant un sabre sur Internet. Un jour, il se retrouve propulsé 11e meilleur assassin de Santa Destroy et décide de tuer les 10 premiers dans l'espoir d'obtenir une nuit avec Sylvia Kristel. Non, pas la célèbre actrice, un agent de l'UAA, soit l'Association des Assassins Unis. Les divers protagonistes n'hésitent pas à briser constamment le quatrième mur en demandant aux joueurs d'appuyer sur un bouton ou de se battre. And for you there holding the controller right now, just press the start button. Let the bloodshed begin. Plus qu'un énorme délire, le scénario de No More Heroes est extrêmement bien écrit, avec ses dialogues savoureux, ses personnages hauts en couleur et son intrigue passionnante. Malgré quelques défauts comme un lifting HD pas parfait et la modification des menus beaucoup moins classe qu'à l'origine, No More Heroes, Heroes Paradise est un très bon portage sur PS3 de la version Wii. Quant aux joueurs ayant déjà tâté du Beam Katana sur Wii, l'achat n'est pas indispensable, l'aventure n'étant pas bouleversée par les ajouts opérés. I'm running late for my facial. Catch up later, okay? What? No! Pierre Mondi, écoute. Vous n'êtes pas sans savoir que The Witcher 2, un jeu à l'ambiance définitivement 18+, et initialement prévu pour paraître dans l'émission de Thierry, se verra finalement critiqué dans le prochain EXP. Une embrouille made in role-playing gang dont je suis l'instigateur et que je justifie en invoquant la dimension RPG du titre. Officiellement. Non, parce que nous, on sait pourquoi The Witcher 2 m'intéresse, et vous intéresse. C'est d'ailleurs la raison de sa présence dans le Showtime de ce mois-ci. Dans The Witcher, on peut taper dans tout ce qui respire et qui est à peu près symétrique. Mais comme vous le savez, j'ai pas touché au premier. C'est donc Pierre, mon jeune stagiaire elfique et accessoirement crust fan de la série, qui m'a tenu physiquement par la main pour aller voir les madames de The Witcher 1 et 2. Mais avant de passer en mode parental advisory, explicit lyrics, tu dévores leur énergie comme un porc dévore des glands. Revenons un peu sur la genèse d'une série développée par un studio polonais qui trouve ses origines dans l'univers créé par Andrzej Sapkowski, un auteur vraiment inspiré. Venez. À sa naissance, le 21 juin 1948 à Łódź, Monsieur Sapkowski ne se serait jamais douté qu'un jour, il deviendrait l'une des plus grandes fiertés de son pays. Et ce n'était pas forcément chose facile, compte tenu du contexte économique et géopolitique moyennement enthousiasmant à l'époque. En effet, durement touchée par la Seconde Guerre mondiale, la Pologne mettra un certain temps avant de... Et là vous vous dites... Mais qu'est-ce qu'il fout? Ça fait 2000 ans qu'il aurait dû nous dire que ça on en a rien à foutre. Pourquoi qu'il a toujours pas dit que ça on en avait rien à foutre? C'est quoi son projet au mec? Ben non, rien. C'est juste qu'introduire un peu de culture dans cette rubrique qui donne bien trop souvent dans le grivois me paraissait plutôt... Bon, ok. Du cul. Elle ne vous aura pas. Je préfère me donner à vous tout de suite sur le premier rocher venu. Un voyageur m'a couverte de fleurs. Alors ça, c'est une paysanne de The Witcher 1. En lui offrant des fleurs et en faisant joli cœur, il y a moyen d'y mettre un coup d'épée dans le ventre. Un peu comme dans la vraie vie, en fait. La dernière fois qu'on m'a offert des tulipes, c'était mon amoureux qui me trouvait belle. Vous avez envie de moi?
Maintenant, l'idée c'est de ravager Vizima afin de récupérer un maximum de cartes, sorte de trophée témoignant de l'ardeur du sorceleur. Mais comme vous pouvez le constater, à l'image, ça reste timide. On va donc opérer un style de level up et passer au second volet. Non, vas-y, allez Pierre, emmène tonton Médoc voir les madames dans les établissements prévus à cet effet. Blond, brunette, redhead. Ça manque un peu d'Asian et d'Ebony, mais ça va. Détends-toi. Si on a besoin d'un peu d'exotisme, on a de la succube aussi. Bon, faut juste faire gaffe aux cornes et aux sabots, mais sinon ça passe. Et on termine dans l'encanaillement le plus total avec Triss Merigold, la régulière de Geralt. Voilà, j'ai fait mon job. On se retrouve le mois prochain. Gabriel Bandicoot, où étiez-vous la nuit du 2 au 3? À No Life, en train de jouer à Street. Tu nous prends pour des cons! On sait très bien où t'étais! En train de jouer à Tifleur contre amis! Et ensuite tu t'es rendu sur ce concert de J-pop. C'est là où t'as abandonné le cadavre. Prouvez-le. Attends Thierry, je crois que j'ai une super intuition. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Cela fait maintenant plusieurs années que Rockstar révolutionne périodiquement le jeu vidéo. C'est bien simple, à chaque fois que l'éditeur s'attaque à un nouveau projet, on peut être sûr qu'il s'agira de quelque chose de massif. En effet, ces titres bénéficient en règle générale d'un engouement colossal, dans la presse comme chez les joueurs, et se placent très rapidement comme des références. Des succès qui, à terme, imposent naturellement de nouveaux standards. Si bien qu'il devient difficile pour les autres éditeurs de donner dans le même genre sans passer pour des branquignoles. Il faudra par exemple attendre quelques années avant de voir un autre studio développer un titre mettant en avant l'univers des cow-boys. Un principe évidemment bénéfique pour les joueurs, puisqu'il pousse les autres éditeurs à se surpasser et à nous offrir la dose d'entertainement que l'on est en droit d'attendre pour 70€. Et c'est exactement dans ce processus de révolution vidéoludique que s'est inscrit Rockstar pour L.A. Noire. Officers Phelps and Dunn, can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Le joueur se retrouve ici dans un Los Angeles des années 40, peu de temps après la guerre, et incarne Cole Phelps, un jeune policier qui, au fur et à mesure des enquêtes, prendra du grade au sein de la police. Assigné à la circulation au début de l'aventure, vous passerez par plusieurs départements comme les mœurs ou la crime, le tout agrémenté de flashbacks vous rappelant votre douloureuse expérience au Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Bien évidemment, ces flashbacks ne sont pas anodins, et il faudra quasiment attendre la dernière enquête pour voir The Big Picture, mais en dire plus relèverait du spoil. Outre cette technique de motion scan qui permet de retranscrire fidèlement l'acting des comédiens, et sur laquelle nous reviendrons plus tard, les dialogues, la mise en scène et la dimension narrative d'une manière générale constituent la force principale de L.A. Noire. On a là affaire à du grand rockstar qui sait définitivement manier les twists de situation, les cliffhangers et autres punchlines, distançant de plusieurs kilomètres un paquet de productions cinématographiques actuelles. Ces éléments, allant complètement dans le sens de l'immersion, sont renforcés par un Los Angeles des années 40 bluffant d'authenticité, qui aspire littéralement le joueur pour le plonger dans cette succession d'enquêtes noires, adultes, cohérentes et surtout divinement bien écrites. Une excellence narrative donc, à laquelle on ajoute un game system tout aussi harmonieux, qui grâce à ses nombreuses bonnes idées, sert lui aussi l'immersion. I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips.
I might be. Il est difficile de ne pas se mettre en mode GTA lorsque l'on arpente pour la première fois les rues de LA. Pourtant, là où la ville de Bellic, Vercetti ou CJ était une activité à part entière, avec sa multitude de centres d'intérêt, le Los Angeles de LA Noire se contente ici de faire office de décor. Un joli décor, authentique, soigné, immersif, mais juste un décor. Ici, pas de magasin d'armes, pas de fast-food, pas de courses, ni même d'indices de recherche. Les endroits auxquels vous aurez accès seront systématiquement liés à une enquête ou une mission. Les possibilités offertes par ce monde pourtant open world sont donc très limitées, puisqu'il s'agira de choisir entre avancer dans la trame principale ou aller se dégourdir les jambes dans le cadre d'un délit, sorte de petite mission annexe qui se résume à de la course-poursuite et à de l'interpellation. En même temps, vous êtes un flic, et le fait de pouvoir envoyer des grenades incendiaires d'un hélicoptère juste pour le plaisir aurait complètement ruiné cette ambiance et ce travail hallucinant fait sur la narration et la cohérence du titre. Hurry, you can still catch him. There he is. Mais pas d'inquiétude, LA Noire propose tout de même une longue expérience qui est tout sauf dénuée d'intérêt. Concrètement, chaque enquête commence généralement par une courte scène dans laquelle on ne voit évidemment pas le criminel, mais qui a le mérite de poser les bases, avec ce qu'il faut de tension et de mystère. Vous commencez par vous rendre sur les lieux du crime, toujours accompagné de votre coéquipier. Une dimension tag team qui vous suivra d'ailleurs pendant la majorité de l'aventure, les coéquipiers changeant au fil de vos promotions. Phelps, welcome to Vice. This is your new partner, Roy Earl. Take a seat. En plus de vous donner un coup de main pendant les phases d'action, ces derniers vous conseillent lorsque vous êtes un peu perdu. Vient ensuite la phase de recherche d'indices. Il s'agit ici de repérer et de manipuler des objets en rapport avec l'enquête, afin de trouver une piste comme un nom ou votre prochaine destination. Si cette phase ne présente pas particulièrement de difficultés, elle aide tout de même le joueur à y voir plus clair et à se blinder de preuves en vue des interrogatoires qui suivent. Les interrogatoires représentent justement un des points importants du jeu, puisqu'ils mettent à profit cette fameuse technologie complètement bluffante baptisée Motion Scan. Ceux qui connaissent la série des Phoenix Wright ne devraient d'ailleurs pas être trop dépaysés par le principe des interrogatoires. Il s'agit, de manière générale, d'évaluer la véracité des propos tenus par vos interlocuteurs. À chacune de leurs réponses, vous pouvez choisir de les croire, de mettre leurs paroles en doute ou de les accuser de mensonges. You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards women. Dans le dernier cas, vous devez bien évidemment fournir une preuve de ce que vous avancez. Et si les contradictions des premières enquêtes sont assez faciles à déceler, l'ensemble se complique sérieusement au bout de quelques heures de jeu. Entre des innocents qui ont tout de même des choses à cacher et des coupables très bons menteurs, il devient effectivement difficile d'obtenir des enquêtes parfaites, même si le motion scan permet de repérer de manière assez obvious les personnes qui n'ont pas forcément les cuisses propres. Et la manière dont vous menez ces interrogatoires est déterminante pour la suite des opérations, dans la mesure où il est possible de passer à côté d'un indice ou d'un témoin important, à cause d'une discussion dans laquelle vous n'auriez pas été efficace. Heureusement, un système d'intuition a été mis en place pour vous aider à aller dans la bonne direction. Lors des interrogatoires, le fait d'utiliser un point d'intuition élimine un choix parmi les trois réactions proposées et réduit les possibilités lorsque vous devez apporter la preuve d'un mensonge. Vous pouvez aussi utiliser les fonctionnalités online du titre pour faire appel à un style de Joker façon Qui veut gagner des millions, qui vous indiquera simplement ce que les joueurs ont choisi comme réaction à un moment donné. Une option intéressante mais qui ne garantit rien, le choix de la majorité n'étant pas toujours le bon. Les points d'intuition servent enfin à vous indiquer l'emplacement de tous les indices liés à une partie de l'enquête. Vous gagnez ces points d'intuition, ainsi que de nouveaux costumes, en augmentant de niveau. En effet, chacune de vos actions en tant que flic vous rapporte plus ou moins d'expérience en fonction de votre efficacité. Loin d'un RPG, ce système apporte tout de même une petite touche agréable à l'ensemble. À la fin de chaque enquête, vous êtes évalué. Parmi les critères, on compte bien évidemment le nombre d'indices trouvés, ainsi que le nombre de réponses correctes obtenues lors des interrogatoires, mais aussi les dégâts matériels et humains engendrés. Il n'est donc pas vraiment conseillé de faire le foufou lors des phases de conduite, par exemple. Personnellement, j'ai ce petit côté Mel Gibson qui me pousse à casser la moitié de la ville pour résoudre mes affaires. Mais encore une fois, on reste à des kilomètres de GTA en termes de bordel que l'on peut occasionner. L'action dans LA Noire est justement plutôt timide, mais remplit tout de même son contrat. Certaines courses-poursuites sont vraiment sportives, et les phases de shoot à la troisième personne restent agréables. On retrouve ici un cover system classique mais soigné, et on ne s'embarrasse pas d'un inventaire avec plusieurs armes et la nécessité de se blinder en munitions. L'ensemble est donc simplifié, mais vraiment efficace. Detectives Phelps and Earl, LAPD. We're inquiring into the deaths. Hand over the popcorn, numbskull, before we kick the door in. LA Noire est une bombe, une production sévèrement maîtrisée dans laquelle il n'y a rien d'aléatoire ni de bancal.
Il propose une aventure longue et complète et ne s'alourdit pas des features superficielles comme on peut en avoir dans beaucoup de titres à caractère open world. La dimension narrative est juste hallucinante pour quiconque aime les bonnes histoires bien racontées et se trouve violemment renforcée par le motion scan qui permet désormais de faire transparaître des feelings jusque-là absents du jeu vidéo. Une excellence que l'on doit également à la tripotée de comédiens, dont certains bien connus des services, qui a accompli là un travail remarquable. Mais le réalisme ne s'arrête évidemment pas au visage, puisqu'un job rigoureux a également été fait sur la ville de Los Angeles, mais aussi sur l'ambiance des années 40 d'une manière générale, augmentant considérablement l'immersion. Reste la dimension action, qui aurait pu être un peu plus folle, mais qui finalement colle plutôt bien avec l'esprit du titre. McCaffrey, you're under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. Bref, Elle est Noire est à conseiller à tous les adultes de bon goût qui apprécient que le jeu vidéo aille dans le bon sens. On attend maintenant les DLC, d'ores et déjà annoncés, pour prolonger cette expérience quasi irréprochable. So, I give you a hit and run. You bring me back fraud, conspiracy, and first degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. Il s'enfuit, le petit bâtard! Je vais le choper, t'inquiète! Shoot-le, ce petit bâtard. Shoot-le. Shoot.